Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'on peut, on peut visiter, on peut s'installer, on peut discuter? Tout à fait, on peut y aller. C'est parti. Alors on est ici dans votre restaurant qui s'appelle C'est ma passion, et avant de commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire, d'où est-ce que ça vient ce terme, C'est ma passion. Donc C'est ma passion, ben c'est tout simple, c'est juste mes initiales, Cédric Manderlier, avec la passion pour la passion pour la cuisine. Comment exactement, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes tombé dans ce monde de la cuisine? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir votre propre restaurant? C'est venu très tôt, tout jeune, vers les 7-8 ans. J'étais attiré par le monde de la cuisine, manger, la gourmandise. Quel a été exactement votre parcours? Comment est-ce que vous en êtes passé d'une simple passion d'enfance à en faire maintenant votre métier dans votre restaurant? Quel a été votre parcours? Après mes études en humanité générale, ben, je suis parti à l'école hôtelière provinciale de Namur. Après ça, je suis parti à l'école Le Nôtre à Paris pour la pâtisserie parce que j'avais un manque, j'étais attiré par le sucré et tout ça. J'aimais bien faire de la pâtisserie déjà tout jeune. Et de là, après, ben, j'ai trouvé des postes au sein de différents restaurants en France. Et pourquoi est-ce que vous aviez envie exactement d'ouvrir un restaurant? Comment ça s'est passé ensuite? Vous êtes revenu en Belgique et vous avez ouvert celui-ci spécifiquement? Ben, le fait d'avoir son restaurant, c'est d'avoir une certaine liberté à la créativité, de faire ce qu'on a envie, d'avoir plus, moins de contraintes du fait d'avoir un patron où on doit rentrer dans un moule et tout ça. Donc là, c'est vraiment le côté liberté. Comment est-ce que vous choisissez ce que vous avez envie en fait, de proposer à votre clientèle, de proposer dans votre menu? Comment est-ce que vous choisissez vos ingrédients? Comment vous créez vos menus? En règle générale, le menu dépend des produits qui sont disponibles en fonction des saisons. Donc j'élabore d'abord un premier plat, donc ça va éliminer forcément un ou l'autre produit. Et de là, ben, je fais faire tous les autres plats du menu pour avoir une certaine continuité, éviter les répétitions dans le menu. Qu'est-ce qui vous plaît en fait au quotidien dans ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît en fait de pouvoir gérer votre propre resto et proposer vos propres produits? Ben, ce qui est bien, c'est il y a le côté challenge qui est assez présent dans la restauration. Est-ce qu'on va y arriver? Et puis le fait de pouvoir se renouveler, trouver des nouvelles idées, devoir se remettre en question. Pauline, vous êtes donc la co-gérante de C'est ma passion. Racontez-moi un petit peu quel a été votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivée dans le domaine de l'hôtellerie? Est-ce que c'est une passion un peu plus jeune? Oui, c'est depuis que je suis assez jeune. J'ai toujours aimé le domaine du service, de l'hôtellerie-restauration. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancée dans les études quand j'habitais dans le sud de la France. C'était un parcours à l'école hôtelière à Sisteron et à Nice après. Et donc, c'est que ça m'a toujours plu et donc j'ai toujours su que je voulais faire carrière dans le domaine. Ensuite, vous avez rencontré Cédric et vous êtes revenu en Belgique pour pouvoir ouvrir ce restaurant C'est ma passion. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez eu envie d'ouvrir un restaurant et quel a été le parcours de l'ouverture de C'est ma passion? Racontez-moi. Quand j'ai fait mes stages avec l'école sur la Côte d'Azur, j'étais dans l'établissement où Cédric travaillait en cuisine également. Et donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et donc, après, de fil en aiguille, on a toujours travaillé, on s'est suivi dans des restaurants dans le sud de la France et puis après en Belgique. Et qu'est-ce que vous aimez en fait dans le fait d'avoir votre propre restaurant? Qu'est-ce qui vous plaît? Toujours un plaisir de proposer différentes choses aux clients, autant dans l'assiette que dans le verre, et nous-mêmes chercher des alternatives qui sont plus dans l'air du temps aussi maintenant, avec des boissons moins alcoolisées, plus locales, bio, responsables. Donc pour venir déguster vos préparations de C'est ma passion, comment est-ce qu'on vous trouve? Est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux? Donc on peut nous trouver sur Facebook avec la page du restaurant C'est ma passion, ou alors sur notre site internet, donc c'est www.cmapassion.com. Donc pour pouvoir réserver, je suppose qu'on peut vous appeler ou réserver en ligne, comment ça se passe? Oui, on est joignable par téléphone, mail et messenger, Facebook. Bon, écoutez, il ne vous reste plus qu'à passer réservation tout simplement.